Carlexiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle sainte vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on pose le placo. Alors on pose le placo, car ça fait longtemps que tu nous en parles. Disons que les travaux avancent. Alors je vous en montre. Je vous en montre ou je vous en montre, chérie? Je vous montre. C'est ma petite Natacha d'amour qui fait le repas. Dis bonjour aux abonnés. Sur toutes les vidéos, je suis devant les fourneaux. Mais t'aimes bien cuisiner? C'est ça, faut pas. C'est ça où je mange pas, donc il faut bien cuisiner. Ah oui? On va se régaler, mon amour. Passons pour les fourneaux. C'est vrai que j'ai commencé à avoir faim, mais bon. Je vous montre ce que j'ai fait ce matin. Voilà, vous vous remémorez le chantier. Voilà. Ben là, il y a... Je suis en train de rajouter, là, de la laine de verre sur le Tetris 12. Ça va être super bien isolé. Hein. Laine de verre et Tetris 12. Je vais vraiment faire un truc, vraiment une très bonne isolation, parce que chez moi, j'ai un toit terrasse. Donc, c'est important. Là, hop. L'électricité, j'ai passé des gaines, là. Vous voyez, les gaines, elles sont passées pour venir mettre deux luminaires au milieu, là. Je sais pas si on le voit de là. Voilà. Là, vous voyez les luminaires, là? Bon, j'ai passé les gaines, j'ai mis ça. Maintenant, on va aller monter les plaques de placo. Mais hier, faut savoir que hier, vous n'avez pas eu de vidéo placo. Vous avez eu une vidéo serpent. Serpentard! Où Natacha a eu très peur. Eh oui! Et d'ailleurs, il y a beaucoup de rageux. De la petite herbe, des petits cassos. Du menu frottin, comme je dis. Hein, alias les Peanuts 3D. Pour les plus connus. Et je sais plus, Lucas D, Laurent A qui m'écrit toujours fumier. Laurent A, si tu me regardes, attention les enfants, fermez bien vos yeux. Laurent A, c'est pour toi. Ah, la bonne racaille. Voilà, sur la vidéo serpent. Mais bon, là, on fait une vidéo placo, donc c'est très sérieux les vidéos placo. Donc là, on a monté le monde plaque. Regardez le monde plaque, c'est énorme. On part de là, là, voilà. Ça, ça va permettre de monter les plaques de placo. Voilà. Et ma chérie va m'aider à porter les plaques de placo parce que tout seul, c'est très difficile, même si on est un homme. Eh oui. Et m'aider à faire le montage du... Du monte-plaque? Quoi? Redis ça devant la caméra, chérie. J'ai corrigé tes erreurs. Non. Bon, je pense qu'on va... Quand j'entends ça, j'ai l'impression que je suis sourd, en fait. Qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est pas beau l'amour? Un maximum de likes juste pour ça. Et si vous êtes une fille, mettez un like pour soutenir Natacha. Ah. Bon, on mange? Oui. Et après, attends! Bah, Ruby, qu'est-ce que tu fais là? Pour ça, la laine est beaucoup trop épaisse. Bah oui, la laine est épaisse. Tu vas vachement forcer. Ça va pas forcer du tout, ça va être super. On porte la plaque ou pas? Allez. On va chercher les plaques ou pas? Oui, dépêche-toi. Attends, est-ce que t'as mis toutes les sécurités? Ça, est-ce que c'est bien bloqué? Que... Oui, c'est bon, allez, on y va là. C'est pas vrai. Ça se replie, quoi. C'est pas possible. Mais oui, après la plaque elle remonte. Mais non, mais là on peut plus rentrer. Oh, c'est pas vrai. Ah, allez. J'ai bloqué. Oh, c'est pas grave. Bon, on y va ou pas? Oui, on y va. Ça la chérie, la plaque est posée. J'ai plus qu'à tourner la manivelle. Je sais pas comment je vais vous filmer parce que elle s'en va chercher les gosses à l'école. Oui. Bon, chier les gosses. Ils peuvent pas rentrer tout seuls. Hé, les gamins là, vous rentrez à pied maintenant, hein. Il y en a marre de vos histoires, hein. Quoi? Ils sont trop petits? Bon, bah tant pis. Hein. Ça, tu sais pas à quoi ça sert, chérie. Bon, écoute, je sais, moi. Le monde plaque, c'est mon affaire. J'ai encore un truc à mettre là et c'est bon. Voilà, ce qu'il faut faire aussi, il faut bien relier les couches entre elles pour pas qu'il y ait de pont thermique. Donc moi, j'utilise ça de chez Castorama. Voilà. Pour vraiment que ça fasse un petit caisson. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que entre le Tetris 12 et le
Et la laine de roche, c'est fait Tetris 12 plus laine de roche. Je pense qu'au niveau de l'isolation, là, on devrait pas trop être mal. Effectivement, ça, pour les ponts thermiques, c'est pas mal. Après, c'est pas mal, mais c'est 19 euros le rouleau. Donc, franchement, salut les gars de Castorama, si vous nous regardez, ils commencent à nous connaître, ils nous voient tous les deux jours. Et chez Casto, ils suivent les vidéos. Oui, chez le roi Merlin aussi, ils suivent les vidéos. Ah, bonjour à tout Angoulême, en tout cas, ça fait plaisir. Et pensez vraiment, vraiment, pour les ponts thermiques, là, c'est vraiment top, quoi. Voilà. À fond, on met, hein. La 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 la. Voilà. Allez. Je vais aller mettre la plaque de placo. Je redescends. En bas. Bah ouais, on peut pas descendre en haut. Je vais aller redresser la plaque et puis visser. Je vais caler le téléphone pour vous filmer l'opération. Bon, je pense pas que je vais me rater, hein, mais bon, ça va être sympa. Alors, on dégoupille le dispositif. Oh putain. Oh punaise. Là, je peux vous dire qu'il y a du poids, là. Lutin de merde. Voilà. La belle plaque des familles. Voilà. Il y a une petite manivelle ici. On va aller... Attends, on va le caler comme il faut. On va le caler comme il faut, voilà. Et on va tourner la manivelle, eh oui! C'est parti mon kiki! Putain de merde! Magnifique, monte plaque, 167 euros chez Castorama. Eh, mais franchement, je vais vous dire, mon premier boulot, c'était à Castorama et j'ai toujours adoré le bricolage. Je suis pas à fond Casto parce que je vais souvent chez le roi Merlin depuis que je suis avec ma nouvelle chérie. Mais 167 euros, les gars, franchement, bah, tu vas pas me dire. Bon, ils m'ont pas payé pour dire ça, hein, donc calmez-vous. Oh, mais ça merde. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouh là 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 là. Trop fort. Putain, c'est un grand moment de solitude. Ah, pas mal, hein. Ah. Allez. Allez, 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 allez. On continue. Tout doucement. La 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 la. Tout doucement. La 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 la. Where is the visseuse? Où est passée la visseuse? Où sont passées les visseuses? Et il faut une vis. La petite vis des familles, elle est où? Attends. Voilà les vis, eh oui. Bon, ben, je vais essayer de mettre au moins une vis. Chaud, 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 cacao. Chaud, 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 chocolat. Tout doucement. C'est quand même chaud, les gars. C'est quand même chaud à faire, je vous le dis. Bon, une fois qu'on est venu se mettre à fleur là, je vous montre. Voilà. Vous voyez là? Voilà. Et ben, une fois qu'on est venu se mettre à fleur,
Il n'y a plus qu'à mettre une vis comme ça. Tous les 15 cm, ça devrait le faire. Voilà. Je vous préviens, ça va donner chaud. C'est un truc de fou. Hein. C'est pas évident. Mais bon, après, enfin, c'est pas évident. Pas trop dur non plus. Hein. On y arrive. N'ayez pas peur de vous lancer dans les travaux, surtout si vous n'en avez jamais fait. Bah, y a un début à tout. On apprend. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est comme les imprimantes 3D. C'est en primetant qu'on devient primeteur. D'ailleurs, à ce sujet, sur LV3D, vous pouvez gagner un pack LV3D Maker. Je vous mets le lien dans la description. Allez voir. Pack LV3D de 370€, je crois. Pack LV3D Maker. Lien dans la description à gagner. Allez, on continue à mettre les vis. Je peux vous dire que c'est hard. Hein. C'est hard, 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 les amis. Enfin, bon, on va y arriver. Hein. Un bec. J'ai fait tomber le t-shirt, là, j'en peux plus, là. C'est hyper violent, quoi. C'est vraiment pas évident. Vérité, on va mettre la manivelle du monte-plaque, mais dans l'autre sens. Chut. Bon, ça va être chaud. Attends, il y a un truc. C'est bon. Elle tombe pas. Elle tombe toujours pas. Ah voilà quoi. Si on arrive à la fin de cette sainte vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'adore lire vos commentaires. Et pas que les commentaires des rageux, bien sûr, les commentaires de tout le monde. Des questions, des réflexions, des trucs qui servent à progresser, des encouragements. Tous les commentaires, ça fait plaisir. Tous les commentaires, ça touche le cœur et ça encourage. Le travail de YouTube, c'est pas forcément facile, hein, faut pas croire. Hein. Quant aux rageux, bah, vous avez vu, c'est toujours les mêmes. Il y a une petite poignée de crabes, les Didier Richard et compagnie. Je crois que ces gens-là adorent me détester. Tu vois ce que je veux dire? Ils adorent me détester. En fait, c'est une pathologie. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on les laisse s'exprimer, ça leur fait du bien. Mais si les autres pouvaient mettre des commentaires gentils, ça serait sympa aussi. Le problème, c'est que souvent, les gentils, ils se manifestent pas. Les gentils, ils sont timides. Donc, s'il y a des nouveaux commentaires, eh ben, je serais content de les voir et je serais content de les lire. Maintenant qu'on n'a plus de modo, tout le monde peut s'exprimer. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxy. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous, des likes, etc. Ciao, ciao. Laisse-moi vivre ma vie.